Noël, c'est ça? Eh ouais, bêtisier de Noël. C'était la surprise de fin d'année. Voilà, donc on le travaille depuis quelques mois, donc on essaye de garder les meilleurs passages. Malheureusement, on n'a pas tout, car tu ne filmes pas en permanence, moi non plus. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah merde, je pensais qu'il pissait, mais non, il pisse pas. Ah non, je pisse pas. Non, ça tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui s'arrêtent, ils regardent. Voilà, c'est bon. Alors, ma gueule dedans, bien. Ça, il aime bien. C'est bel avion. Hein. Moi, t'es d'accord quand même avec moi que ça devait être horrible de travailler dans les mines de charbon? Ouais, sûrement, sûrement. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas connu ça. Mais bon, c'est des emplois perdus aussi. Voilà. Et je pense que ce qu'on dit, c'est de la merde. Donc... Est-ce que tu vois? Ouais, je m'en doutais. Ouais, tu nous dis ce qu'on fait là? De la merde. Ouais, là on est un peu déçu quand même. Hein. Là on va sûrement voir de la merde, ouais. Ouais. Pourquoi t'es si long? Si long? Je sais pas, c'est lui qui me demande. Pourquoi si je suis long à faire quoi? Ou pourquoi t'es si long? Ah, j'ai fait un par contre. Ah, putain. Kiko? Qu'est-ce que t'en penses du mouvement? Le mouvement. Le mouvement de quoi? Le balancier. Le balancier, est-ce que j'en pense? Alors, explique, montre comment tu fais? Je monte la vitesse. Comme ça. C'est bon, ça filme? Faudra zoomer. Ouais, donc ça me rappelle tout de suite le sketch de la baignoire avec Jacouille dans Les Visiteurs. Voilà, donc c'est ce qu'il met dans la baignoire. Croyons se laver avec, voilà. Moi, j'en utilise pas personnellement, mais je vois pas l'intérêt. Allez, on va le remettre. Un petit problème en haut, bon, ça reste un hôtel, donc c'est assez répétitif. On a vu une chambre, deux chambres, trois chambres, ça devient assez... Hop, on recommence. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est quand même un sacré trou de balle. C'est le type de bombe que les Alliés lançaient sur le village d'Oufaliz. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Ceux-là n'ont pas explosé. Malheureux. Enfin, malheureux. Non, top. Ah! Une machine est pétée. Voilà. Et donc ici on est dans l'atelier de maintenance. Voilà. Ben, en fait, on démontait ici. Voilà. J'ai retrouvé un outil par terre. Regarde. Un bel outil de démontage, voilà. Donc, malheureusement, c'est le seul qui reste. Hein. Alors, voilà. Donc, tu piques les outils partout où tu passes. Hein. Voilà. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi alors? C'est quoi? Ah, il a un peu mal en point. Tiens, tu peux m'aider? J'arrive pas à mettre ma montre. Non mais. Marche? Pas possible. Non. Vas-y, descends. Vas-y, donne-moi. Oh la vache! 70! Ouais, 12 kilos de plus que toi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est à 6 kilos dans chaque couille. C'est une belle mélodie, hein!
Esquimaux. En fait, elles faisaient les serviettes juste à côté de nous. Bientôt, elles font leur passage. Et si on pouvait rentrer la voiture, je pense qu'ils feraient la vidange juste à côté de nous. Donc, resto chinois, on n'a pas vu un chinois. Et lui, il est mort de rire. Voilà. Et super, on est fait devant. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore. T'es comment tu pourrais être bruteur. Bruteur, et, ouais. Et puis voilà quoi. Et cascadeur de bouquins, ça c'est fort, ouais. Ça. Ouais. Bah allez, on continue. Ouais. J'en sais rien. Par contre, on a trouvé ça. Alors, si c'est, enfin, je pense que c'est une prothèse. Prothèse de pour quelqu'un qui n'aurait plus de jambes. Je pense, moi je suis pas dans le domaine. Moi j'ai une blague. Ouais. Tu sais comment on appelle un mec qui a plus de bras? Un manchot. Un mec qui a plus de jambes. Un cul-de-jatte. Un mec qui est comme Quasimodo. Un bossu. Ouais, et les trois réunis en même temps, comment t'appelles ça? Un cul-de-buteau, non? Une madeleine. Une madeleine. Ah, ça le fait rire lui aussi. Hein, Yann, il sourit, il est content. C'est vraiment con. Allez. À quoi ressemblait le château, donc, à l'époque, bon, jadis, comme on dirait, hein. Ça, on l'a refait. Sérieux, la GoPro. Hein? Excusez-moi, vous êtes déjà revenus. Alors, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré en montant ce bêtisier. Voilà, petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Joyeuse nouvelle année. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Tout à l'heure, tu me parlais de 2015. Les nouveaux projets, ça va devenir compliqué. Manque de temps. On est divisé maintenant. 2 heures de route nous séparent à chaque fois. On a exploré un peu tout ce qu'il y avait autour de nous, donc maintenant on va devoir partir, sauf s'il y a des endroits qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, donc 2015, on va essayer de suivre la lignée, on a fait encore une belle année, mieux, on va essayer de s'améliorer d'année en année. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, ça s'arrêtera un jour, donc voilà. T'as rien à rajouter toi? Ça s'arrêtera au centième. Centième? Ah, faut déjà y arriver. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à l'année prochaine. Ah, vous êtes déjà là? Bon, là, même pas. Putain, c'est flou. C'est flou. Bah ouais, là j'ai pas assez de lumière en fait. Vas-y.